Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre pour la dernière étape de ce troisième tour de la RDC Nsele-Kinshasa avec une question qui brûle toutes les lèvres. Qui pourra encore arracher des épaules de Igor Silva le maillot jaune ? Derniers préparatifs, dernières anticipations, derniers ajustements avant le départ de cette dernière étape et toujours ce dossard 31, ce dossard 31 en jaune qui offre au quotidien son sourire de leader. Igor Silva court ici l'une des courses les plus importantes de sa carrière et ce n'est pas rien. Médéric Klein, vainqueur de la première édition, en sait quelque chose. On appelle les coureurs, il faut se placer sur la ligne de départ pour les derniers 90 km de cette troisième édition. C'est parti pour Kinshasa et d'entrée de multiples attaques et contre-attaques. Chacun y va de sa partition. C'est le Hollandais Van Wierd qui réussit à s'extirper. Durant quelques mètres, il est seul devant, mais finit par succomber à la pression du peloton. Une accalmie de courte durée, car Oscar Etunevea attaque. Le Congolais tente sa chance, le maillot jaune réagit. Mais devant, le Congolais est très vite pris en chasse par d'autres coureurs. Igor Silva, au milieu de toutes ces attaques qui ne veut pas être surpris, remonte le peloton pour mieux se replacer. Le peloton est de nouveau groupé et chute collective. Le Congolais Christian Djandjan Moussouyou est sonné. Plus de peur que de mal, le Congolais ne souffre que d'une légère blessure. Devant, le public a fait le déplacement et les coureurs doivent faire un tour dans les rues de Kinshasa. À ce moment-là, nul ne sait encore qui va remporter cette dernière étape. Une dernière étape qui se termine en sprint massif. Un sprint remporté par Asmane Ouedraogo. Et de trois victoires d'étape pour le Burkinabé. Ce qui ne change rien au maillot jaune qui reste sur les épaules de Igor Silva. Très heureux. Fais chaud. Après 9 jours de compétition, le rideau tombe sur le tour de la RDC. Merci d'avoir été fidèle à TV5 Monde et on se quitte avec les meilleurs moments de cette édition 2015. Salut.